Là, les coups les plus courants, vraiment, si on doit commenter là, c'est blanc fait un deuxième Oshi également, ou blanc fait D17. On préfère en général faire ce Komoku, le D17, plutôt que le C16. Pourquoi? Parce que si on fait le C16, on laisse noir approcher dans sa direction, et ça donne une liberté, ben, un espace de plus sur ce bord. Donc c'est encore plus intéressant pour noir. Alors que là, maintenant, si j'approche de ce côté, que ce soit en C15 ou en D15, déjà, un, c'est pas en direction de mes pierres au-dessous. Et deux, non, il y a quand même le même nombre d'espace. C'est vraiment ça, en fait. C'est pas dans la direction de tes pierres. Donc, nos blancs n'a pas envie de laisser ça. On pourrait faire un boyau assez facilement. Toi, t'aimes bien C16 pour parser, du coup? On serait sans que le bio, je veux dire. Ok, d'accord, j'étais le boulot. Ah, le BEMI c'est un peu stressant. Ouais. Et alors il n'y a pas de son, j'ai pas de son sur KGS. Peut-être que c'est parce que j'ai pas mis assez fort sur mon PC. Hop. Donc comment on va approcher ça? Je pense qu'on fait un peu ce qu'on veut. Que ce soit C15, D15, un Shimari en O17, un Shimari en O3, une approche en F3 ou un Sansan en C3. Je pense que tout se vaut. En tout cas, si je veux empêcher le Shimari, je pense que je préfère, ben, personnellement, D15, juste parce que j'ai joué deux autres pierres en quatrième ligne. Donc c'est plus logique de jouer en quatrième ligne, je trouve. Mais on va modifier un peu, en fait, je joue toujours l'approche comme ça. On va modifier un peu, on va regarder ce qui répond si je fais un Sansan, par exemple. Pour jouer normalement, par exemple, blanc C16, noir E16, et tu prends le coin classique, quoi. Ok, d'accord. Ça donne un beau mur, quoi. Mais après, tu prends un bon coin aussi, ouais. Et ça aplatit ce bord qui est le bord qui est intéressant pour toi. Ou alors, on approche comme ça. Tac, tac. On fait une séquence classique. Tac, tac. Atari, il recule, je recule. Il pousse, tac, et il fait son... Un Shimari en D14 serait pas mal. Et si je vais en C3, il pousse ici. Je vais là, il pousse là, je vais ici. Et ouais, là, il fait peut-être plus D15 ou C15. On va voir comment il va réagir. C'est vrai que moi, souvent, dans cette situation-là, quand mes deux pierres sont face à face, j'aime bien faire plutôt aller avec blanc en D3 pour pas me jouer que du même côté. Merci. Tu go au taf à ce tour-ci? Ah bah oui, bah oui, tu m'as dit. Ah, bon courage, hein, du coup. Tu finis à 4h ou 6h, c'est ça? Bonne chance à toi. Hein. Et bonne fête, ouais. On se reverra pas sûrement, ouais. Donc à l'année prochaine. Et merci encore pour l'abonnement l'autre fois. Donc là, ouais, là, il doit... Bon, il y a deux coups, hein, concrètement. Hein, C4 ou D3. Mais c'est vrai que je vois plus souvent, même chez les autres joueurs, le D3. 6 heures, oh là, bon courage. On va ici, du coup, hein. Nous, on n'a pas 36 choix non plus. Hein. Et là, il a deux choix, concrètement, hein. C'est E4 et E3. Il fait E4, c'est solide. Moi, j'ai deux choix, encore une fois aussi. Trois, peut-être, d'ailleurs. Les plus classiques, c'est F2, on glisse, et fin du joseki. Et sinon, on va en E3, il fait année, et je réponds en protégeant, et il fait Tenuki, il joue ailleurs. Mais des fois, je peux faire F3, notamment si on a le chichot, parce qu'il irait en E3, on protège en E2, et s'il coupe en D2, on capture la pierre, il fait contre-attari, on capture, et s'il fait le chichot, il faut regarder, la pierre, elle va où? Les chichos ne marchent pas. Donc je peux m'autoriser d'aller un peu plus loin. Après, il peut quand même couper, tac, tac, tac. On prend la pierre, on capture. Et après, il peut partir en G2. Et ça fait du combat. Beaucoup de combat.
il dit je connais ce Joseki. Donc je pense qu'il connaît parce qu'il connaît pas beaucoup de Joseki Gabouche. Donc il connaît F2 et E3, ce qui me donne envie d'aller en F3 du coup, de le qui sont en mode A et qui poussent peut-être en F4, ça me donne un peu plus de territoire. Ouais, ça le renforce aussi, je sais pas. Il me semble que Badak Docteur aime bien jouer D3 avec blanc. Ouais, bah oui, je pense vraiment c'est pour disperser ses forces. Plus intéressant. Et en plus, là, ça dit à noir, vas-y, va vers ici, et va rejoindre tes pierres. Souvent, on aime bien, en tant que blanc, surtout à égalité, comme ça, séparer les pierres noires, les positions noires. J'hésite entre ces deux. Bon allez, on va faire ça. Ça change, on va dire. Et bonsoir à vous 8. Je vois là le bot qui me dit ça. On joue ça. Alors. En vrai, ici, soit il fait le 3 et il part sur le combat, comme je disais, il fait le 3. Je vais en E2. Il coupe. En D2, je prends la pierre en C2, il reste une liberté. Donc il peut faire l'Atari en F2. Je capture en D1. Et bah, comme le Shisho ne marche pas avec O3, G3, pardon, il furie en G2. Et moi je sors ma pierre et c'est le bordel. C'est le bordel. Donc peut-être qu'il aura envie d'éviter ça et plutôt aller en F4. Ce qui me force à répondre G3. Après, il aime beaucoup le combat. Donc peut-être que ça va pas le gêner, justement. Ouais, il répond à My Keeper parce que j'ai joué un truc qu'il ne connaissait pas. Il fait Tenuki. Alors, c'est pas très bon, je pense. Je pense qu'il faut répondre, parce que je vais finir Sente. Mais ce F4 va être très, très bon pour moi. Hein. En plus, c'est dans le sens, c'est ce bord, il y a ma pierre de l'autre côté, je sais pas comment dire exactement, c'est en direction de mes pierres, quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour Noir de pouvoir monter ici. Moi, je vais pousser en Q17. Salut Gauchy, ça va? Je suis prêt. Tu pourras le faire la suivante si on a le temps. Q17, il va en R16, par exemple, je monte en Q15. Il va en S14. Et je monte. Elle est où la simule? Ah, simule contre... Quand je joue contre des personnes qui sont entre 5 et 10 Q, pourquoi pas? Ouais, il y a 3 dan en face. C'est plus compliqué quand même. C'est lui qui ferait la simule. On joue solide. Moi je fais des simules contre des joueurs plus forts. Ouais, mais toi t'es trop fort aussi. Ok, et là on monte ici, ça me semble quand même gros. Parce que je pourrais jouer ailleurs pour dire ah tiens, j'essaie de d'enlever un coin, ou jouer ici par exemple. Mais il peut pousser finalement, je me fais écraser sur la troisième ligne ici, c'est pas agréable. Alors que si je monte, ça me fait une deuxième pierre en quatrième ligne sur ce bord, et ça abîme ces trois pierres. Là, si on pince derrière un moment, c'est quand même chiant pour lui. De toute façon, c'est le coup que blanc aimerait bien placer, donc si noir il joue. Ça peut pas être mauvais, je pense. Simule ou Crusader Kings 2, comme tu veux. C'est trop sympa, tu me laisses le choix. Sympa. On refera du Crusader Kings 2 en janvier, t'inquiète. On va faire ça. On va faire ça. Tu me diras, soit on continue avec Gallimanus, là, ou... Ou alors on... Ou alors on recommencera notre perso. Donc là, son idée, c'est si je capture ici, il fait Atari. Je capture la pierre, il fait Atari ici, et il prend ses pierres. Et finalement, ce qui revient à un Joseki normal, hein. Seulement que ça me donne un Ponuki dans la direction que je veux. Et en plus, je suis Sente. Et il restera des faiblesses en B6. Ou alors, je vais vers D2, et il va soit en D2 lui pour fuir et faire du combat,
Il faudra quand même que je fasse attention à ces pierres en fait. Ces 4 là seront difficilement attaquables parce que dès qu'il descend en B3, je vais là et il y a des faiblesses donc. Ou alors il pourra aller également en F5, me forcer à capturer et continuer à faire un beau mur. Je pense que j'ai envie de capturer cette pierre. Même si on perd ces 2 là, il y a de la G. Et on a le CNT. On pourra approcher ici. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment pas mal de prendre cette pierre. J'ai besoin de toi pour faire du comte de Provence à un roi. C'est le seul jeu vidéo où j'ai espoir que ma femme joue avec moi. Vu qu'elle adore l'histoire. C'est bien ça. La mienne, elle est pas forcément. Elle a rien contre l'histoire, mais elle est pas forcément passionnée par l'histoire. Bon. Il dit je connais peut-être pas finalement les Joseki. Bon, c'en est un. Le problème, c'est que normalement, j'ai pas F4. Quand je joue F4, il défend ou il peut défendre. Là, c'est le développement est quand même sympa. Parce que je peux rajouter un coup vers E3. Peut-être O4, hein, en vrai. Je suis assez content. Hein, ça fait un bord-coin super intéressant comme potentiel. Après, je sais pas. Peut-être que j'ai envie lui-même de l'empêcher de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que si je fais ça, il va en C16, je monte en D15, il va en F17, je vais faire mon extension jusqu'à C11 par exemple, et ensuite il va dans le Satsan. Et ça voudrait dire qu'il a les 4 coins. Ce qui est pas mal. Bon, il y a quand même un proverbe qui dit si noir a les 4 coins, noir a perdu. Si blanc a les 4 coins, noir a perdu. Donc bon, ça donne pas envie. En vrai, au lieu de même du O3 au O4, ça serait faire un coup par ici. C'est comme un Shimari qui a une aile assez lointaine, certes, mais très forte. Donc si ici, et qu'il rajoute un coup en D15, sachant que ce bord, on peut rentrer assez facilement avec B6, on disait. Je joue ça, s'il s'amuse à faire un Shimari ici, on peut jouer un coup par là, ça menace quand même de faire tout ça en point. Plutôt conséquent. Si blanc a entre 0 et 4 coins, noir a perdu. Oups. On va jouer un Shimari nous aussi. En fait, je me dis, la logique c'est juste, il me faut un coin. Moi, je préfère le Shimari de l'autre côté vers O4. Tu préfères vers O4, toi? Ok. Jouer vers tes pierres. Et du coup, il joue C15. Ok. Surtout si c'est Gabouchka et Blanc. Ouais. Il est sur le chat? Ah oui, mais il a désactivé le son. Mais pas l'image. Qu'est-ce qu'on fait? On a quand même un boyau intéressant, on pourrait jouer par là. Mais ce qui m'attire maintenant, c'est de venir par ici. Pourquoi? Parce que c'est en face de mon mur, et lui, c'est là où on regarde son Shimari. Donc le premier qui joue vers K16 est quand même assez content. Donc on y est. Même si on aimerait bien jouer par ici, hein, renforcé, mais on mettrait tous nos œufs dans le même panier, ce serait un peu gênant. Son frère en plus, ouais. Il y aura un neveu. Donc là, blanc, il menace de voir ça, ça et ça. Blanc a des points concrets en soi. Et noir, il fait du potentiel ici, mais c'est pas encore des points, et du potentiel ici. C'est beaucoup de potentiel, c'est cool. Sachant qu'il y a du commis, hein. Il y a 6-5 de commis. Mais voilà, c'est des points concrets, plus petits, contre du potentiel. C'est deux styles de jeu là pour le coup. Et il vient approcher de ce côté, ça par contre. Je pense que c'est une erreur. Je vais faire ça aussi. Je pense que c'est une erreur, pourquoi? Parce qu'il y a. Il a une pierre en deuxième ligne ici. Même s'il trouve le timing de rajouter R13, il n'y a pas de potentiel sur ce bord. Il a vraiment pas de potentiel. Donc ici, pour blanc, ce qui aurait été intéressant à la place de ce coup, c'est soit jouer vers H17. Menacer de passer au-dessous, faire des points quand même, prendre l'extension maximale avec ce Shimari. Soit essayer de jouer par là, même s'il y a des faiblesses, bien sûr, on peut rentrer, mais bon.
je vais essayer de faire d'un des deux côtés des points. Ou alors tout simplement rentrer en E3 ou Q3, P2, dans cette zone-là. Mais ce coup-là, je suis vraiment pas fan. Avec R6, j'ai l'impression que c'est plus simple pour blanc, parce que c'est plus facile pour lui de s'installer en bas. Ouais, mais par contre, si j'avais fait O3, il pouvait me faire le coup à l'épaule. Finalement, je m'écrasais sur la troisième ligne. Je sais pas. Donc ça aurait été O4. Et dans ce cas-là, il peut venir ici s'installer. Et ensuite, c'est quand même assez loin. Donc on sait que l'adversaire va venir. En fait, on ne peut pas fermer aussi rapidement la partie. On ne peut pas fermer une aussi grosse zone. Donc je préfère être fort, me donner le plus de potentiel à inviter l'adversaire et l'attaquer et le poursuivre. Parce que là, ça lui donne envie justement d'approcher de ce côté. Imaginons à la place de R8, il faisait O3 justement. On allait en P3, il monte et on le pince. Et en fait, il avait un groupe faible. Et nous, on développait de ce côté et de ce côté. Donc je pense que je préfère faire courir plutôt que, ok, faire un peu plus de points, des points sûrs ici, mais tout écrasé sur la deuxième, troisième ligne. Il fait un mur d'influence et on n'a même pas la pierre en R6 dans ce scénario, donc on n'a pas les points ici. Je sais pas. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait contre cette pierre? On s'en fiche un peu, non? J'ai presque envie de venir par là. Après, attention. Maintenant, s'il vient en E3, qu'on va en P3, il monte et qu'on pince. Il a une pierre ici, une pierre là. Il y a peut-être des petites faiblesses avec ce R3 blanc ou R4 blanc. Oh, quoique. Ça affaiblirait beaucoup sa pierre et celle-là aussi. Donc c'est vraiment tentant de venir ici et de vraiment abîmer ce Shimari. On pourrait même toucher, je pense. Tac. Il va en E18. On vire là. Il capture, on fait attaquer de ce côté, tac, on fait attaquer de ce côté, il capture, et on protège, et on essaie de développer vraiment à fond le bord nord. Ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez de E17, mais ça a l'air pas mal. Sachant que sur le bord gauche, il aura du mal à faire ses points, ici ça fait pas grand chose. Si je vais en G17... Ça l'empêche pas de venir ici. De toute façon, même après ma séquence, il pourra venir par là. Mais si je fais G17, ça l'empêche pas non plus. Et est-ce que ça attaque son coin? Si je vais derrière en C17, il monte comme ça. Je vais là. Il va ici. Si, c'est pas mal en fait. C'est peut-être mieux. Plus prudent. Parce qu'en fait, si je vais en C17 maintenant, qui bloque par exemple. En D18, je peux aller en D16, je vais en D18, il bloque. Je peux aller en C18. Ah, je sais pas. Non, je me suis très trompé dans la lecture. Si je glisse, tac, tac, tac. Non, c'est pas suffisant en fait. Non, du coup, j'aurais dû E17 direct. Ok, c'est une erreur de ma part. On va quand même kick. J'aurais dû aller en E17, ouais. Du coup, maintenant, ce sera plus des séquences comme D18. Où il protège et je recule. Ce qui menace de faire B18 derrière. Alors, ici, on va passer. Troisième ou quatrième? Peut-être troisième. Parce que le problème de quatrième, c'est qu'il peut glisser en L2 et construire sa base de vie directement. Alors que si je suis en L3 moi-même, s'il va en L2, bah, on prend sa paire. Souvent, c'est en quatrième qu'on met la pression, mais là, on veut vraiment qu'il presse pas sa base de vie tout de suite. On veut le faire courir. Là, il fait quoi? Il tape en Q5, je protège, il va ici, je protège. Et ensuite, c'est compliqué. Ok, il fait Kema. Ouf. Donc là, il y a un Ogema et là, un Kema. C'est pas très solide. Après, j'ai pas non plus les formes les plus solides, donc je peux pas couper n'importe comment. Genre si je vais là, tac, tac, et que je coupe, il peut aller ici, ça menace de prendre soit cette pierre, soit celle-là. Donc. On peut aller... Ou alors on fait ça, quand il monte, à la place de couper direct, on monte une fois. Il monte, on coupe.
Ah, ça a l'air pas mal ça. On va faire ça. On va attaquer, hein, c'est des formes qui se coupent, donc on y va. On accepte. Et on avance. Voilà, ça aurait été une erreur d'aller en O6. Mais là, si on coupe derrière, quand il va en P4, on protège ici. S'il coupe de ce côté, on met à terre. Et cette formation n'est pas très solide non plus. Ok. On sort également. Est-ce qu'il y a Chicho pour noir, pour blanc, pardon. Non. Mais est-ce qu'il y a Guetta? Oui. Il y a Guetta. En faisant ça, je vais ici, il me fait fuir une deuxième fois, et ensuite il prend un Guetta. Donc on va s'enfuir. Il fuit également. Et là, si je fais année, il peut venir en M3, je pense. Et si on fait Statari, tac, mais il lui manque juste un coup pour vivre. N2. Tac, tac, on fait Atari, il va là, il est connecté, il a déjà un œil ici en soi. Et nous, on doit protéger des coupes. Donc si on protège notre coupe, il va en N2. Et il a un œil en N3, et l'autre se fera soit en M2, soit en O2. Donc on va reculer comme ça, pour pas le renforcer, justement. On veut maintenir la pression au maximum. D'accord. Ici. J'ai bien envie d'aller par là. Ce qui menace de faire... M4. Et ça couperait. Après, si lui-même répond M3 à ça... Je sais pas. Ou alors je vais ici moi-même. Voir là. Je sais pas trop. On va réfléchir un peu. Alors. Si on fait le hanet. Qui protège comme ça. On recule solide. Et il fait une gueule de tigre comme ça, on va juste abîmer nos pierres, donc non. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de donner. Là, j'ai vu que la gueule de tigre qu'il ferait, ça serait ici. Souvent, on voit quand ça achève la belle forme de l'adversaire, ça serait pas trop mal d'y jouer pour nous-mêmes. Vers là, est-ce que c'est pas un coup intéressant pour noir? Tac. Je sais pas. En fait, c'est embêtant qu'il ait le M3. Et si je veux en M3 directement, ça donne quoi? Il peut aller par ici quand même. Et c'est ces deux pierres qui sont embêtées. On va faire ça. Hein. Faut aider ces deux pierres quand même. On est solide à peu près des deux côtés. Il a des bons coups, hein, la descente ici est sympa. Donc à voir. Il faut que je prenne mon temps parce que il y a quand même des choses à faire valoir. Ces trois pierres là en soi sont pas très solides. Celles-ci sont pas très solides non plus avec ça. Donc il y a des choses à viser encore pour. Pour noir. Alors que moi, je dois surveiller quoi? Je dois surveiller la petite faiblesse dans le coin, en soi. Notamment, bah, sa descente, en fait, ici, oui, il y aura peut-être une faiblesse. Après, je pense que je descends et ça devrait aller. Mais il faut, en fait, il faut que je surveille ces trois pierres, quoi. Et ça devrait aller. En soi, le reste, c'est solide des deux côtés.
T'as pas du tout envisagé Cassis. Cassis. Plus loin même, encore. Non, je l'ai pas du tout envisagé. Qu'est-ce que ça donnait de noir? Ouais. Blanc pouvait sortir, non? Et si on va là ensuite. En fait, il y avait des. Ouais, faudra faire attention à la suite J3M3. C'est dit comme maintenant. Parce que là, quand je fais ça, il vient en M3. Je prends la pierre, il descend, il est content. Hein. Voire même il fait le N2 et ça revient au même que tout à l'heure, donc on n'aura pas réussi à mettre cette pression. Faudra regarder avec K6 à la fin du coup, tu auras qu'à me redire ça à la fin de partie, si tu y penses. On regardera ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, j'ai fini de manger mais j'ai encore faim, je vais devoir te manger tes pierres. Ok. Ok. J'avoue quand même que là c'est moi qui suis en train d'attaquer. Il est plutôt en mode je vais sauver mes pierres. Si c'est lui qui me capture, ça me fait chier quoi. Si je joue ici. Tac, il va là. Je vais ici. Défends. Non, c'est risqué de jouer ça parce que je vais juste lui donner du bon yossé. Donc il faut mieux reculer et prendre cette pierre. Et c'est un peu dommage quand même, j'ai pas réussi à attaquer. J'ai pas réussi à attaquer. Ça va être une question de santé maintenant. Ça semble pas si mal pour lui de sortir une fois. Je continue pour prendre la pierre. Ah, c'est dommage. Je pense que s'il sort une fois, je continue moi-même pour prendre la pierre, comme là il a joué. Comme je vais jouer. Et ensuite, comme il a deux libertés maintenant, à la place de une, sa descente en M2 est un peu plus santé. Et du coup, je vais capturer les pierres d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il peut venir en P2 par exemple. C'est un peu plus sympa, je pense. Alors que là, il retire... M2 sera gros, mais plus autant santé. On capture la pierre. J'ai pas calculé... Mais visuellement, ça me paraissait pas mal. Je pourrais pas rester jusqu'à la fin, c'est trop tard pour moi. Ok, pas de soucis. Renforce ton groupe central, tu pourras attaquer le groupe du bord droit et bien réduire le bord gauche sans souci après. Ouais, là, de toute façon, il faut que je m'occupe de ces trois pierres. Pour l'instant, il fallait que je réponde à Atari. Mais je suis vivant ici, 100%. Le coin, ça devrait aller. Mais oui, ces trois pierres, il faudra que je surveille. Après, il faut que je fasse attention en attaquant ces pierres aussi, de pas faiblir ça. Et en soi, oui, il faut que je m'occupe de ces trois pierres. Il y aura toujours peut-être une question sur ça. Là, on disait que le bord gauche se réduit assez facilement, en soi. Bon, là, il protège avec une gueule de tigre ici. Il risque rien. Tac, tac. Et ensuite, tac, il capture. Donc oui, une gueule de tigre. C'est assez chiant pour Noir d'ailleurs, cette gueule de tigre. Je sais pas trop ce qu'on fait après ça. Gueule de tigre, si on continue en fait, qu'on fait haner nous-mêmes, bah, il fait double gueule de tigre et... Bah, il se développe facilement quoi. Nous on s'écrase. Et finalement ce groupe se fait attaquer. Donc en fait s'il fait la gueule de tigre, faut presque se dire tant pis pour cette pierre et venir essayer de mettre la pression ici. Et en même temps, il fuit comme ça et il fait un bord droit tranquille. Donc ouais, bah, Mister Vache Jidego, j'ai l'impression que ça va être compliqué quand même de pouvoir attaquer. Du coup, c'était avant, j'aurais dû choper un timing, j'imagine, mais là, l'Atari, non, du coup, il fallait répondre. Quand il va en M3, J3 puis M3, bah, il faut que je réagisse. Sinon je perds mes deux pierres. Donc c'est encore avant. De toute façon c'est encore avant, j'ai dû louper une bonne séquence. Le truc c'est que mon G17 n'était pas du tout santé. J'aurais peut-être dû continuer à attaquer, mettre de la pression, je sais pas.
J'aurais peut-être dû attaquer directement ça, par exemple. On verra ça à la fin. Il est gourmand. Je pense que je fais la gueule de tigre tous les jours. Ça attaque le groupe au centre. Et ça laisse ça en Adji. Parce que jamais je rajoute un coup ici pour le moment. Et il a intérêt à réussir par contre. Pourquoi? Parce que si ça me renforce et que je suis vivant, justement j'aurai moins de difficulté à attaquer ces trois pierres à droite. La séquence classique c'est quoi? C'est je réponds R4 normalement si... Dans un jeu, c'est qui est plus classique. Si imaginons il n'y avait pas les deux pierres noires de P5, P6. Souvent, ça se passe noir joue R4, blanc vient en P2, et noir fait à ce moment-là soit Q2, soit Q3. Ici, en l'occurrence, on ferait sûrement Q3. Mais on finirait goté. Donc, noir R4. Blanc ici. Quoique, si je vais là, il peut peut-être aller ici. Si on descend. Non, ça a l'air d'aller. On va ici. On va ici, ça nous renforce un peu. Et oui, je pense à des coups vers R10 notamment. Mais en vrai c'est compliqué parce que je suis pas solide au centre, donc est-ce que j'ai le droit d'attaquer avec un groupe qui n'est pas solide comme ça? Après la coupe K5 elle donne envie aussi. Et il fait ça, d'accord. Si j'y vais en Q2, il fait Atari en Q3, je vais en R2. Il capture en P4 et je reviens en S3. Mais ça serait une erreur, je pense. Pourquoi? Parce que alors il peut aller en S2. Ce qui menace capturer mes pierres en bas. Normalement, c'est pas un problème parce qu'on capture du coup. Et là, il pourrait faire contre-atterri, je capture et double atterri ici. Donc ça marche pas. Donc il faut que je joue ça. Après, je pense que je vais finir sainteté. Pourquoi? Parce que là, il va en Q2, je vais en R2. Mais s'il joue ailleurs, je peux venir en N2, par exemple. Il va en O2. Je retourne en M2. Et en fait, il a aucun œil. Donc, il aura un groupe blanc qui va courir en même temps que mon groupe noir. Donc, il a pas envie de ça. Donc, après son Q2 et moi, mon R2, il descend en M2, par exemple. Ou alors il va en K6, peut-être plus prudent. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir ce K5? Je sais pas quoi il réfléchit. Plus que 7 minutes, il faut que je fasse attention à ça aussi. Niveau des points, ça donne quoi? Blanc, il a toujours ça. Il a ça. Il a ça. Et ici, on sait pas trop. On sait pas trop. Noir, il a ça. Et c'est tout, hein. On aura un truc par là. Assez petit. Et ça, c'est que du potentiel en soi. Hein. Tout ça, c'est que du potentiel. Donc, c'est pas certain. La partie... Je dirais quand même que blanc est en avance du coup, parce que j'ai ce problème, ces trois pierres, et que blanc a le commis. Donc je pense que blanc est en avance. Noir vient de ce côté. Blanc vient de ce côté. Je comprends pas trop la stratégie de blanc ici.
Il est fou. si je coupe, il se passe quoi? Il peut aller en L5. Je protège la pierre, forcément. Et s'il va ici et que je protège et qu'il coupe. Plus que de liberté ici. Et il n'y a pas de chichou ni rien. Donc c'est un peu risqué pour moi quand même. C'est quoi? Il y aurait Atari ici, il va là. Il y aurait Atari ici, il va là. Mais en soi, je dois fuir au bout d'un moment. Bah, je peux pas couper tout de suite comme ça non plus. Hein. Après, il y a ce coup aussi. Je sais pas. J'ai pas l'impression que je puisse couper. Tac, tac, tac. Il va ici, je vais là, il coupe. Et je fuis en angle vide comme ça. Il me fait Atari dans l'autre sens, je fuis et il fait courir les dents en temps. Ça a l'air risqué quand même. Peut-être que ça marche. Hein. Moche, mais ça marcherait. Mais il faut lire beaucoup. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir fuit ici. Blanc, noir, blanc, noir. Ah non, on pourrait capturer. Donc il est obligé de sortir ici. Et nous, on sort encore. Il refait Atari, il ressort. Et nous on ressort. Et il peut refaire Atari, ça ressort. Ça a l'air d'aller, hein. J'ai l'impression que j'ai le droit. On va voir ça tout de suite. Aussi bien il va pas du tout jouer cet Atari, donc bon. Aussi bien il va faire dans Aussi bien il va juste essayer de trouver sa base de vie tout de suite avec N2. Mais dans ce cas-là, je suis assez content d'avoir pu avoir le K5, parce que le K6 abîmait énormément mes pierres. Il va par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais si je vais là. Il va ici. Je fais atterrir ici. Il va là. Je fais atterrir là. Pour protéger mes coupes et tout, il peut un peu faire atterrir ici. Il recule. Ah, ça a l'air compliqué hein, quand même, en fait pour moi. Ou alors je fais je vais ici, il va là, je fais atterrir comme ça, tac, atterrir comme ça, il va là, je reconnecte. Parce qu'il fait atterrir ici, moi je vais là, et quand il capture, ça m'intéresse sur les deux pierres. C'est compliqué, salut Shane Blood, ça va? C'est compliqué. Il est joli son coup. Si je descends comme ça, il va ici. Dans ce cas-là, je viens là. Et s'il connecte là... Oh là là, c'est compliqué, hein. Ouais, ça a pas l'air de marcher mes trucs. Hein. Ou alors je capture ces pierres. Mais non, mais je peux pas laisser ça se connecter, c'est ça le problème. Ça, c'est ça un tout petit gain en fait, ces pierres. Ah. Si je vais là, il coupe. Atari. Tac. Atari. Il monte. Le problème, c'est que dès que je connecte ici, il recouvre là et j'ai plus qu'une liberté. Je suis mort. Je vois pas comment je m'en sors ici. Ici, il va là. Je vais là. Il peut aller là. Je vais là, il va ici, j'avance, il va là, j'ai plus que de liberté. Là, je peux pas m'en sortir. C'est un Tsuji. À moins que je joue par ici. S'il coupe, je fais Atari là, il va là, je connecte. Ok. Et s'il va ici, je vais là. Mais grâce à sa pierre ici blanche, est-ce qu'il peut faire grand chose? Pas dit. Bon, je suis pas convaincu de ma forme. Hein. S'il recule comme ça,
connecte. Si met Atari, on peut faire Atari comme ça, il capture, on fait Atari tac, on prend la pierre et ça abîme pas mal. Je sais pas. Ça a l'air compliqué, hein. Et c'est compliqué, j'ai l'impression. C'est compliqué. Il a joué très vite. Hein. Est-ce qu'on a le droit de sauver cette pierre? Ça serait cool qu'on puisse la sauver. Le noir joue ici. Si blanc descend, noir joue là. Tac. Si blanc sort ici, on continue. Il va là, on connecte. Il peut monter ici, tac. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Bien sûr, il y a une solution simple, hein. C'est je vais là, il capture et je capture. On s'en sort tous les deux. Mais il a gagné N9. C'est quand même embêtant. Et moi, j'ai gagné quoi? Pas grand chose par rapport à la situation de tout à l'heure. S'il coupe, on va là. S'il va ici, on va là. S'il va là, on va là. Ça a l'air d'aller. On aura deux groupes faibles et lui un gros aussi. C'est beaucoup de combat, quoi. Mais il aime ça. Il aime ça, le combat. Ce qu'il y a, c'est que là, s'il rajoute un coup vers Q13, c'est quand même très intéressant pour lui par ici. Après, il a pas encore le timing, hein, certes, parce qu'il pourrait mourir avec tout ça. S'il fait pas attention, ça peut aller très vite. Et il faut aussi qu'il soit préparé. Hein. Déjà, il y a une faiblesse en P6, mais avec le mur que je construis un peu ici, il va pas faire beaucoup de points à gauche. Bah si, il me tue, en soi, il s'en fiche. Mais... Il vient ici. On va connecter comme ça, il va faire des schémas déchirés. Hein. Une solution simple aussi, c'est... Je vais là. Je fais Atari. Et voilà, je capture ça. Mais il est sainté. C'est embêtant. C'est quand même embêtant. Parce qu'il relie ces deux groupes, après quand il vient là, il n'y a plus aucune faiblesse, quoi. Mais si je connecte ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a le joli game à déchirer. Je sais pas. On va connecter ici? Ça dit une partie très compliquée. Ça dit une partie un peu plus simple où il est un peu en avance. Je sais pas. Après, je joue ça. Il coupe. Tac, tac. Je capture. Il y a pas mal de points ici en vrai. Et lui, il faut qu'il rajoute encore ça. Et j'ai le synthé. C'est peut-être un peu plus simple. Et un peu plus sage. Sinon, j'ai deux groupes instables que je vais faire courir tout le long. Et il va juste pouvoir construire ce qu'il veut. Peut-être changer de musique. Ah non, il est connecté comme ça. Oh, si je vais là, il coupe. Donc il m'oblige à avoir deux groupes instables. Mais par contre, il me déchire pas. Ok, je recule. Bon, bah on va faire ça. Oh, c'est compliqué. Attention à cette faiblesse. Hein. Parce que là, c'est le 4 idiot. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique après? Je sais pas. Ouais. Ah mais il y a Chicho. Ah putain. Ah. Bon bah on a perdu ou... Ah putain.
Ouais. Oh, c'est chaud, hein, en vrai. Ah, j'arrive pas, hein, il m'éclate à chaque fois. Hein. C'est fou. Je sais pas quoi faire. On va jouer ça et essayer d'attaquer la formation à droite, quoi. Oui, c'est dur de commenter, bien sûr, mais je vais pas prendre ça à chaque fois comme excuse, quoi. On va laisser ça et quand on jouera dans cette zone, il y aura toujours cette petite menace qui pend, mais bon. Pas incroyable. Tu m'as inspiré, j'ai essayé de le faire et c'est dur. Oh, c'est super dur, hein, oui. Après, ça fait un an que je le fais, mais je devrais avoir l'habitude. De vrai. On va attaquer, hein. On n'a pas le choix, hein. Faut réagir. Mais j'ai l'impression qu'il a joué trop gourmand à plusieurs moments et j'arrive pas du tout à finir, c'est dommage quand même. Si je vais là, il a juste allé ici. Ça va. Donc si je vais là, ça peut peut-être prendre beaucoup. S'il va là, je vais là. S'il bloque, on coupe. Mais ouais, c'est chaud, c'est chaud. T'as essayé de... T'as streamé du coup? Je regarderai ça. Non, je m'enregistre et j'envoie au no life de mon club. Ok. À quel club? Et là, il fait un R11. Bon, on prend quelques points, mais c'est pas fou. Ah non. Bon. R11, c'est un peu mieux. Il descend, je vais là, il va ici. Je peux faire à... Ouais, je peux faire Atari. Descend et je capture, donc j'ai le droit de descendre comme ça. Qu'on fasse pas de bêtises. Et là, il a quoi? Il a ça, je vais là, il a un Geta. C'est pas grave. On prend un peu de points. Et ça va pas être très discret, mais un coup par ici, hein. Et en soi, ça réveille le chichot, l'escalier. Celui de la Réunion. Ah oui, tu m'avais dit en plus. J'ai du mal à retenir pour tout le monde, désolé. Désolé. J'essaye, j'essaye. Petit à petit. Et là, s'il capture les pierres, on entend directement. On peut retirer un peu les coins de les points de du coin. Et c'est peut-être encore jouable, je sais pas. C'est compliqué à dire. Là, blanc, pour le moment, il a ça, on disait ça. Le problème, c'est qu'il a ça aussi avec ça. Et il est ici. Un tout petit peu là, avec la force qu'il a, forcément. Et noir, il a quoi? Il a ça. Ça. Ça va énormément dépendre de ce qui se passe ici aussi. Et forcément, à ce moment-là, en fait, grâce à cette pierre, le chichot ne marche plus. Mais s'il capture, on peut glisser au-dessous et essayer de détruire les points qu'il y a là. Voir, est-ce qu'on peut pas taper directement vers là, quoi. Question se pose. C'est largement jouable. Ouais, je pense que c'est jouable. Mais on a quand même... Bon. Pas grave, c'est notre faute, on avait qu'à tous habiter au même endroit aussi, quelle idée, c'est vrai. Il y a beaucoup de... Bah beaucoup. Il y a plusieurs qui sont, qui sont installés aux États-Unis et il y a plusieurs Belges aussi. Donc ça va, c'est...
Au début, j'étais surpris, il y avait quasiment aucun français, j'étais là, mais... Finalement, je peux changer de musique, mais c'est sympathique. Compliqué. Mais c'est bien, celle-ci, elle ira sûrement sur YouTube. À moins que Twitch, ils embêtent pas avec la bière que je suis en train de boire. Je sais pas si YouTube sont aussi sympas avec ça. Twitch, c'est tant qu'on n'est pas ivre mort. Je crois que c'est ça. Ce qui est logique. En vrai, je crois que là, il faut qu'il capture. C'est très important. Comme dit Mathieu Dizuti, c'est une dette. Ce sera toujours là. Ah, mais ça marche pas le chichou. Oh, sérieux. Du coup, on va s'installer. Faut que je fasse attention, j'ai plus que 4 périodes. Là, si je connecte. Il reste des petites faiblesses en B17. On peut détruire un peu le coin. Parce que si je joue B17 qui va en A16, on peut aller en C17. Quand il connecte, on peut glisser au tout. Et retirer tous les points du coin. Et ces trois pierres sont attaquables. Du coup, j'aurais dû jouer quoi ici? J'aurais dû jouer un DZ15 plutôt. Je sais pas. Là, il a juste à protéger et finalement, je n'ai pas gagné grand chose hein, parce que le chichou il marche pas. Aïe aïe aïe. Compliqué, hein. Franchement, je suis en train de détruire mes chances. J'ai l'impression de rattraper là. Pourtant, je pensais que ça marcherait bien d'approcher comme ça. On va aller ici. Ah, il peut faire encore. C'est embêtant. Quand il va en E10, j'ai rien de spécial à répondre. J'ai pas de bon coup pour répondre à E10, je trouve. Et ça protège son le chichot. Et ça construit son bord ouest. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Ce groupe, c'est juste un groupe instable. Aïe aïe aïe.
Ouais. S'il fait ce coup-là, il va falloir protéger. Il protège. Et on fait le B17, hein, il faut attaquer. Mais j'ai l'impression qu'il... Je vais pas réussir à avoir assez de points pour l'attraper. Encore B17 pour lui alourdir la forme du coin dès que tu es sorti au centre. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pense faire. Ok, il attaque. On va répondre. Je pense qu'il a pas besoin E10. E10, c'était bien largement ça. Je pense qu'il va faire la taille en E10 hein, et provoquer la forme forcée. Mais ok, il joue ça. Ce qu'il y a, c'est que je vais être goté là, non? Si je vais là. Si je vais maintenant, il peut m'enfermer en fait facilement. Comme ça, peut-être. C'est un peu risqué d'attaquer maintenant, je pense. Mais si je protège. Et qui protège. Je peux pas m'en sortir non plus. Tac. Ah, ça a l'air compliqué le temps là. On va jouer ça. S'il sort comme ça, ça a l'air d'aller, non? Je peux aller là. S'il coupe, je peux ici. Il va là. Et on prend chaud, tac, tac. Non, tac. Ouais. Et il revient ici. Je peux sortir, non? Oh non, je peux toujours pas sortir. Quel cata. Ah, j'y arrive pas, hein. Je peux toujours pas sortir. Bon, on va faire ça. Hein. On verra plus tard. C'est incroyable, hein. Même là, ça marche toujours pas le chichou. Ça marche toujours pour lui, chichou. On l'attaque. Ça sent la sortie en pâté. Ah oui, voilà. Clairement. Oh là là, ça pue. Si je vais là. Qui connaît de là, je capture. Tac. Oh là là, c'est compliqué hein. Je vais mourir ici, hein, je sens. Il pousse là, tac tac, il va prendre ça et moi je prends tout ça quoi. Mais est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Tac. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est le bordel. C'est le bordel. Ouais, il va faire Shibori, ok. Il joue ici. Je capture, il fait ça. Je joue mon pâté. Mais ensuite, on peut sortir, non, quand même. Tac, tac, tac. Ouais, ça a l'air de passer, hein. C'est moche. C'est moche, très moche, mais ça a l'air de passer. Hein. C'est assez ridicule, mais... Ce coup était peut-être un peu gourmand. Et il a joué tout le long sur... Oui, effectivement, bah là, c'est dur pour Noir, mais il a joué tout le long sur... Regarde, le chichou marche encore, le chichou marche encore. En fait, une des meilleures manières, c'est à un moment ou à un autre, tu captures les pierres. Voilà, on s'en fout, c'est... il n'y aura plus cette menace, quoi.
protège. Je pense que cette partie ira la semaine prochaine sur YouTube. Je le ferai vite fait. Je couperai les moments où il y a trop de silence et on mettra ça. Si j'ai le temps. Si je vais là, il fait atterrir ici, je vais là, il descend. J'ai plus que deux libertés, mais il atterrit comme ça, il va là, puis je capture. Et du coup, il a une pierre en plus ici, il sort, je vais là, il sort, je vais là. Tac, atterrit. Est-ce que ça passe vraiment pour moi? Finalement, pas forcément, hein. Je suis pas sûr que ça passe en fait. Je suis obligé de capturer ici. Je fais l'atterri, tac. Je perds ses pierres. Hein. Ouais, je vais me faire bouffer ça. Il y a un coup avec B18. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Par contre, s'il descend, je vais là. Il peut pas aller ici, il y a Tari, tac. Et on peut capturer. Donc s'il va là, que je vais là, il pousse, ça détruit mon bord ici. Par contre, maintenant, je peux capturer là. Il aurait dû faire différemment, descendre, forcer les Atari. Je crois qu'il s'est foiré là. Il prend plus du temps, mais non. Non. C'est moi qui utilise beaucoup de temps, c'est comme ça. Ouais, mais du coup c'est 3 contre 3. Donc je reviens là. C'est bordélique. Hein. Dommage, il va être senté, il va pouvoir capturer cette pierre. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, on pouvait... Oh ! Plus de bord haut. Non ! On peut sortir ces pierres. On met de la pression sur ce groupe blanc. Et oui, c'est trois pierres, il faudra faire attention, mais en soi, on pourra faire des choses. Plein d'adji. Oui, peut-être qu'il n'y a rien depuis le début. Ouais, il dit qu'il fait quoi? Il fait Geta et voilà. Je me bats pour rien depuis tout à l'heure, c'est ça? Bon, on va dire, ça aura utilisé pour créer de la force par ici. Je cherche une excuse. Il vient par là. Est-ce qu'on peut sortir ces pierres maintenant? Tac. Il fait Geta. Tac, il fait Geta. On sort là, il vient là. Ouais, non, il n'y a rien. Ouais, non, je suis l'idiot. Je fais l'idiot. Je réfléchis pas. Ce coup-là est important aussi, j'ai l'impression, le K15. Pour la vie, pour l'espace de vie de tout son groupe ici, l'attaque. Même si normalement il pourra connecter, hein, mais bon. Surtout ses pierres sont faibles et tout. On va menacer de couper déjà, et ensuite jouer un coup vers N15. Et s'il se débat, ça va peut-être rajouter des pierres par ici pour sortir là.
Même si ce coup est important ici, là, il faut que je rajoute ça. Ouais. Ok, il attaque. Il est très agressif tout le long, mais cela dit, j'arrive pas à punir, donc il a raison, j'imagine. Si je joue par ici et qu'il coupe, je descends moi-même. Je peux faire attaque et tac et puis descendre. Je... Pourquoi faire plutôt par là? C'est pas fou ce que je fais encore une fois. Si je sors là, il déchire, je vais là et il peut atterrir sur tous les côtés. J'arrive pas du tout cette partie, je sais pas pourquoi. J'arrive pas du tout. Là, ça va être compliqué parce qu'il a quand même beaucoup de points. Là, il a potentiellement tout ça. C'est quand même énorme. Il a également tout ça. Bon, on tire les deux pierres noires, voilà, mais vous avez compris l'idée. Il a ça. Il a ça. Là, il va avoir un peu. Et noir, il a quoi? Il a ça. Là, vers là. Il a ça. Et ça. Blanc a largement plus, on a perdu. En plus, il y a le commis. Ouais, là, il n'y a plus rien. Hein. J'ai perdu la partie. On dirait une partie contre toi, mais dans l'autre sens. Ouais, il n'y a rien. Je vais abandonner là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hop, je lui dis merci. Aïe, aïe, aïe. Un peu plus en bas à droite, oui, mais bon, pas assez. Ouais, il me bat tout le temps, hein. C'est fou. Après, t'étais à égalité, hein, même si tu perds de 10, c'est top. Ouais, mais en fait, on a le même niveau, normalement. On a le même niveau. Aïe, aïe, aïe. Tu peux encore mourir dans le centre. Merci. Ouais, c'est pas faux, je peux encore mourir. Non, vraiment compliqué cette partie, hein, clairement. Du coup, t'es là, Gabouche? Le stream, en plus, c'est pas évident. Oui, bah oui, mais... Ouais, tu m'as encore déboulé, hein, j'arrive pas, hein. C'est 3 victoires d'affilée pour toi, hein. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. On peut regarder un peu ça. Je mets ça, mais c'est pas la même scène, c'est ici... Non, c'est pas la bonne non plus. Hop. Alors, je remonte ça. Hop. Et je programme juste le petit logiciel à côté. Et je suis à vous. Donc, on va retourner au début. On va regarder juste le petit Fuseki. Hop, c'est ça. Tac. Hop. Voilà. Alors, au lieu de Q12, j'hésitais à M12. M12. Oui, sûrement, de toute façon, là, t'étais bien dans la partie, hein, largement. Tac, tac, tac. Sûrement, sûrement. Et oui, la partie est serrée, c'est à partir d'ici, du coup, ils disent à peu près que je prends du retard. En fait, quand tu vas ici, je pense que ça, c'est un peu lent. Ici, maintenant que j'ai... En fait, à ce moment-là, j'étais... je vais pas rajouter de coup ici,
Parce que ça, ça regarde ici. Et ces trois pierres, ça regarde là. Donc le premier qui y va, c'est gros. C'est pour ça que j'étais assez content de pouvoir y aller en premier. Mais ensuite, une fois que tu rajoutes ça, d'ailleurs, qui était un peu bizarre parce que t'as pas trop de potentiel sur ce bord-là. À ce moment-là, en tout cas. Donc c'était un peu bizarre ce coup. Mais là, moi, c'est lent. Je sais pas pourquoi j'ai joué là. Maintenant, je peux revenir et jouer un gros coup par ici. Je pense que Noir est content. Ou alors, si je viens de ce côté-là, c'est vraiment pour faire ça. Et quand tu défends, je coupe. Tu prends, je fais atterri. Tac. Tac. Tu captures. Et ça, c'est pour jouer des séquences où derrière, je me renforce et j'essaie de jouer le bord nord. Mais voilà, c'est pour jouer le bord nord, menacer de prendre quelque chose de gros. Là, mon coup, il fait pas grand-chose, celui-là. À la rigueur, je le serais en F17, ça menacerait peut-être un peu le coin. Mais là, c'est mimi, quoi. Alors, j'aime les coups bizarres. Je pensais que t'aurais joué à droite. Non, je serais pas venu dedans. Parce que... j'ai rien à gagner ici. À la rigueur, oui, je pourrais te faire courir un groupe. Mais finalement, ce groupe, il va... soit cette... bah, après, je dois encore aider cette pierre. Et ce groupe, il va courir vers là où je voulais construire. Donc, pas trop envie. Pas trop envie. Non, je pense que je dois jouer... par là. Et si tu rajoutes un coup, alors maintenant je peux venir mettre un peu plus de pression, même ça, en soi, dire vas-y, hein, construis ton territoire par ici. Ok, c'est gros, hein, mais Noir, il est extrêmement content avec des séquences comme ça. Donc je pense vraiment que j'aurais dû rajouter un coup ici. Je pense que là, déjà, c'est ma première grosse erreur. D14 se regarde aussi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, dans la partie, quand j'ai joué C14, c'était plutôt D14, ouais. Parce que ça empêche pas du tout le chichot, ouais. Tac, tac. Et ici, le problème, c'est que quand j'attaque, en fait, ta pierre en R8 fait chier, ouais. C'est pour ça que vraiment, j'aurais pas dû jouer G17, autant de raisons. Oh, c'était une erreur, ouais. Le problème, c'est qu'ici, si je sais pas... t'es en mode pour attaquer de l'autre côté, et toi tu t'installes, on va dire, prudemment, tu fais pas l'extension naturelle. Même si j'attaque ici, en fait j'ai pas grand chose à gagner également, encore une fois. C'est pas si important le bord droit pour Noir. Pour Blanc non plus, hein, d'ailleurs, mais bon. D'ailleurs, au début, effectivement, ça c'est un Joseki, mais normalement j'ai pas la pierre en F4. Donc c'était pas mal pour Noir, parce que en plus, c'est dirigé vers ma pierre. Voilà, j'ai oublié de dire ça aussi. Ça, je pense que, ouais, un peu bizarre. Et là, je coupe quand même brut. Donc, ça a l'air bien, mais en soi, les pierres noires sont assez faibles. Je sais pas ce que j'aurais dû faire ici. Là. Je vois pas comment répondre. Pourtant, t'as un Ogema et un Kema. Donc, c'est pas solide du tout. Mais je sais pas quoi. Yep, il faut. Ouais. Peut-être tout simplement ça. Comme t'as pas de chichot. Si ça se joue comme ça, tu joues peut-être ça. Et j'abîme moins ma forme, quoi. En fait, c'est juste un peu tard, quoi. C'est un peu tard. Peut-être un coup comme ça. Je sais pas. J'aurais joué comme ça, je pense. Ok. Non, c'est vraiment là, hein. Tac. Par là. Vers là, peut-être plutôt. Clairement. Même un coup comme ça. Hein. Mais c'est avant que j'aurais pas joué pareil que toi. Ouais, bah oui, là j'aurais pas dû ce coup. C'est dommage. Mais toi, oui, clairement, à ce moment-là, je pense que. Bah, eux ils disent ça. Et oui, la zone c'est ici. Moi je pensais à ce que tu jouerais un coup comme ça. Comme ça. Ou comme ça, j'avais dit dans la partie. Bah, c'est les trois que je connais le plus, quoi. Je t'avoue. Celui-ci, ok, d'accord, c'est dans cette idée, tac tac, tout simplement. Et sur en 4ème mine, en fait, c'est pour pouvoir sortir direct. On m'a déjà parlé, je joue jamais. On m'a déjà dit que ça c'était pas mal. C'est comme ça, t'es déjà en... c'est un coup de réduction, mais si l'ensign noir répond pas, tu peux quand même venir en Q3. C'est sympa. P2, jamais joué. Oh, P2, c'est sympa. Hop.
Voilà, bon, ça met la séquence classique. Noir protège son coin. Blanc menace des points de coupe, parce que quand tu envahis, tu veux compliquer la situation. Noir pose vers là. Blanc y va. Et bon, là, il joue ailleurs, mais normalement, c'est quand ça passe, ça s'en fiche. Noir repousse. Et blanc fait des suites d'Atari. Tac, tac. Et en fait, blanc peut rejouer ici, il me semble. Et quand noir vient récupérer les pierres, blanc peut faire atterrir comme ça, puis faire un coup comme ça. En fait, voilà, c'est pour s'installer. Si noir ne répond pas, blanc peut faire ça. Et c'est quand même sympa. C'est un shibori, comme tu m'as fait en haut, d'ailleurs. C'est un essorage. Donc noir, il peut répondre, par exemple, comme ça. Il est obligé de s'atterrir. Et effectivement, il y a encore une sorte de shibori, mais il y a beaucoup plus de points de coupe chez blanc. Donc c'est plus agréable. Ça, c'est une séquence assez classique, non? Faut choisir la bonne variation aussi, ouais. C'est ce qui m'a coûté ma défaite contre un Dan au tournoi de Brest. Ok. Ah, c'était qui? Il y en avait deux. Bref. Bref, bref, bref. Mais oui, là, clairement, je sais pas. Châtelain, ah ok, d'accord. Ouais, clairement, moi, j'approche comme ça, je pense. Bon, si on ignore ça, c'est tac, tac. Ok, dans la partie, bon, je vais mettre dans la partie, quand il se passe ça. Il pince pas comme ça, il pince ici. Ok, du coup, dans la partie, ils auraient fait comme ça. Quand tu viens... J'aurais peut-être dû être plus actif, ils disent. C'est vrai que si je pince haut comme ça, t'as peut-être beaucoup moins le timing de faire ça. Non, l'autre justement, ok. Celui de Lorient, plutôt. J'ai pas compris pourquoi t'as pas P3. Ah, j'ai P3. J'ai fait. Je l'ai fait, P3. Si, si. Et là, oui, dans l'autre séquence, si je joue là, effectivement, je peux peut-être... Ah, si tu fais ça, encore une fois, là, maintenant, ça se joue peut-être beaucoup plus. La coupe. T'as plus de pression d'un coup. Plus compliqué. En fait, ce dont j'avais peur, c'est si je faisais un truc comme ça, c'est que tu puisses glisser au-dessous facilement. En soi, c'est pas trop grave. Sur la deuxième ligne, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Mais c'est sûrement ma coupe qui est mauvaise aussi. Imaginons je fais ça et tu fais ça. Peut-être que je peux faire ça tout simplement aussi. Hein. Si tu protèges comme ça, on peut aller là. Ok, il y a cet Atari, mais on s'en fiche. Hein. Y'a pas grand chose. Hein. Dans la partie, ouais, j'aurais peut-être pu faire un truc comme ça hein, d'ailleurs. Tac, je vais là. Et si tu recules, bah, Akema déchiré, c'est très agréable. Si tu recules ici, Tobi déchiré, c'est désagréable. Et si tu connectes, ouais, bah ça. J'aurais peut-être dû faire ça. Pas sûr que je l'aurais joué pareil. Ouais, voilà, mais il y a pas mal de choix, je pense. Mais en vrai, quand je viens là, et que je viens là, je vois pas ce que blanc répond en fait à ça. J'aurais peut-être dû jouer plus agressif comme ça et connecter mes pierres. Pas me faire un groupe faible dès le début. Ouais, ouais, ouais. Tu l'aurais joué comment? J'appelle ce Kozumi le coup de Q. Du Q. Pourquoi? Toi, tu fais ça direct? C'est censé être mauvais, c'est souvent les joueurs en Q qui me la placent. Ah bah, je suis peut-être toujours en Q. Et ici, avec ce coup, ça se passe comme ça, comme ça.
Après, analyse, c'est surprenamment bon. Ça doit dépendre des fois, hein. Ici, là, ça doit aller, ça. En fait, je vois pas ce que le blanc répond ici. Je vois pas trop comment blanc s'en sort. Il fait quoi? Il fait ça, tac, et il s'en sort comme ça. Le problème, c'est qu'il y aura plus jamais les pressions à R3 parce qu'on est sorti. Ouais, toi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Le pire, c'est que j'ai pensé, je me suis dit, non, c'est pas beau. On s'en fiche. On s'en fiche. On va dire qu'il y a eu pas mal de choses qui étaient pas très belles dans la partie, hein, et qui ont marché, dans un sens comme dans l'autre. Pas folle la musique, hein. C'est parti dans les trucs que j'aime moins. Tac. Qu'est-ce qu'on met? Tac, tac, tac. Q8. Ouais, mais du coup, je joue ça. Si tu bloques Atari, tu Atari. Puis on continue. C'est compliqué. Ouais, il faut lâcher un truc, ouais. Mais si on lâche le sud, c'est beaucoup trop haut. Mais en même temps, si tu lâches ça... Ouf, noir est content, hein. Faut protéger de ce côté, ça c'est pas encore vivant. Il y aura toujours des faiblesses par là, maintenant noir ne risque plus rien. Atari. Atari, à quel moment? Ici, Atari. Tu coupes. Ça va là. Ouais, je te donne le contrôle. Vas-y, montre-moi. Montre-moi, montre-moi. On a vu le sacrifice contrôlé, ouais. Pas très bon, mais contrôlé, ouais. Après, là, en soi, blanc, il peut faire l'Atari ici. Noir descend, Atari, noir descend, Atari, tac, et connecté. Mais le problème, c'est qu'on peut reconnecter par-dessous. Noir descend. Ouais, mais ça marche pas très bien, non? Je pense que je connecte en Q3. J'essaie de revenir à la séquence tout à l'heure. Ici. Non, je vais en Q3. Tu réponds à l'Atari. Je pense que là tu... Ouais. Bah, tu te fais déchirer, mais bon. T'as vu la tête du coin? M2, O2, et ensuite tu protèges ta... Bah tu connectes en dur ta coupe, peut-être. En soi, je suis vivant avec mon Punuki à gauche. J'ai un coin énorme. Ça te dérange pas trop avec blanc? Ouais. Vas-y, redonne-moi le contrôle pour voir. Bah, je peux me redonner en fait. Tac. Ou alors, du coup, là, chaîne bleue, toi tu dis. Tenter. Ah bah oui. Non, bah y a pas grand chose en fait. Parce que si blanc fait Atari ici. Peut-être qu'il y a cet Atari là. Vu ça? Non, ça marche pas. Ok, autant pour moi. Noir descend là. Blanc il peut aller là, certes. Et là ça marche pas. Ok.
Donc plutôt 7 connexions en dur. Plus 5. Et là maintenant, voilà. C'est peut-être mieux pour Noir parce que là, il y a quand même la coupe et la connexion ici. Donc Blanc, il jouerait la connexion, j'imagine, et Noir connecte. Là, on est quand même plus content. C'est un peu mieux. En plus, on a capturé les pierres comme ça, c'est fait. C'est mieux. Je pense que c'est pas bon la connexion solide de Blanc. Faut faire le sacrifice sans. D'accord, ouais. Pousser. Oui, du coup, comme on prend le coin de toute manière, continue à pousser. Le problème, c'est qu'ici, on peut pas vraiment pousser parce qu'il y a cet Atari d'abord. Puis cet Atari. Et ensuite, on revient. Et ces pierres-là, pff, c'est chiant. On devra les surveiller tout le temps. Donc en fait, on est presque obligé de revenir maintenant. Le Noir a envie de connecter, je pense quand même. Et ensuite, tu captures ça d'une manière... Je sais pas. Non, tu viens par là, j'imagine. De quoi qui passe, tu dis? Quelle séquence? Ah, je trouve que c'est très bon pour Noir. C'est énorme. Là, dans le coin, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, il y a 35, 40 avec tout ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas grave, les coupes de Noir au centre, je pense. Là, on peut descendre. Ah d'accord. Oh. L'Atari ici, on disait. Donc toi, tu dis blanc peut descendre et c'est pas grave ici, coupe ici. Non, c'est pas grave. Et jouer ça quoi. Et combattre quoi. Ok. Ok, ok. Du combat, ouais, bah on a vu que t'avais aimé ça. Hein. Si Noir connecte ici, on peut pas vraiment couper, j'ai l'impression. Il y a trop de faiblesse. Hein. Non, il vaut mieux faire la séquence. Ouais, tout ça, on aurait pu l'éviter, hein, comme on dit. Ce coup est trop. C'est, on a déjà fait le boulot avec A16, et là, ouais. Même un coup comme ça, et c'est bon. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Pouf pouf. Alors ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, Noir doit reculer maintenant. L'Atari était trop ici. On risque rien en soi. Et Blanc va vivre. En fait, tout le long, j'étais en mode comment je continue à mettre de la pression, mais non, c'est impossible de tuer ce truc. À Blanc. J'ai juste fait... J'ai juste abîmé ses pierres. D'ailleurs, quand je fais ça, tu fais ça, que je capture, et que t'as joué un autre coup, je sais plus quoi, là. Ouais, que t'es venu là direct. En vrai, ça protège énormément tes pierres et ça abîme énormément mes pierres noires, je trouve. Je sais pas trop ce que j'ai fait par là. Ouais, ça c'était vraiment. La gueule de tigre, elle est vraiment très puissante. Je peux pas couper, il y a rien. Ça protège ta coupe. Si je résiste, tu fais une double gueule de tigre. Je fais juste m'écraser, c'est horrible pour Noir. Et ça enlève pas la GIC en fait. Tu touches pas. Et quand tu joues ça, Noir il va pas revenir là. Je me fais complètement écraser. Donc au pire, tu me vois reculer, t'as protégé ta coupe et ensuite tu viens. Il vaut mieux. C'est pour ça que j'ai coupé comme une brute, même si ça marchait pas très bien. Ok, ici je dois descendre. Ouais, par contre là c'est lecture de malade quoi. C'est la lecture du bot quoi. Il faut être super confiant pour descendre, je pense. Là j'ai joué le truc que je connaissais et voilà quoi. Totalement fallait descendre. Ok. Ouais, j'étais très étonné de ton coup ici. Hein. Je sais pas comment t'as trouvé ça. C'est propre. Mais c'est chiant parce que ça connecte les deux. Ça connecte les deux groupes et ça c'est vraiment chiant. C'est pour ça que j'aurais dû arrêter d'attaquer.
C'est une erreur. À ce moment-là, du coup, il disait... Ouais, le noir doit venir ici. Donner un peu de répit à ce groupe. C'est vraiment le ouais, N9 qui a vraiment bien attaqué. Ouais, là c'est la partie, voilà, là, c'est la débandade pour moi en fait. Parce que ces deux groupes, j'ai essayé de les sauver, mais ça a juste donné des points. C'est bête. Pourtant, à ce moment-là, dans la partie, je pense que ça va, hein, c'est jouable. Non, ils disent que blanc est large devant. Après, ils donnent tout ça à blanc comme point, mais là, ici, il n'y a pas de point, parce que dès que je joue ça, en fait, dans cette séquence, ici, de ce jeu, c'est qui, il faut se dire blanc a le coin, mais blanc n'a que le coin. Parce que quand je joue ça, tu viens là pour ne pas te faire bouffer ses pierres. Et ensuite, on vient ici, tac, et on peut réduire d'une manière ou d'une autre. Donc là, en fait, avec ce Joseki, on a l'impression qu'on est très solide, qu'on peut avoir, qu'on a un beau mur et tout. Mais il faut être prêt, on a que le coin. Quoi. Ça permet de belles invasions, même s'il y a une pierre blanche là et tout. Tiens, j'ai mon ancien élève, Fox Trotzu, qui a tenté de tuer un groupe avec ses trois groupes non-vivants autour à l'instant. Ouf. Bon, je fais un peu la même là, j'essaie d'attaquer des trucs avec des groupes pas du tout vivants. Trois groupes, c'est chaud. c'est chaud. D'ailleurs, il faudra que je regarde la dernière vidéo de Telegraph Go, puisque c'est le nom, ça donne envie, voir si c'est putaclic un peu ou pas. C'est qui tue qui, je crois, un truc genre. Avec les pros qui regardent, donc ça donne envie de voir ça. C'est rassurant des fois de voir les joueurs pros aussi. Galérer et pas être sûr de leur séquence, ça rassure. Un nom qui me plaît. Ouais, clairement. Ouais. Regarde hein, la dernière de Telegraph Go. Ouais, c'est super. Telegraph Go, il est génial. Largement meilleur que moi, donc il a une analyse bien plus profonde, c'est cool. Bon, en soi, je dis juste, là j'ai joué ça. Parce que c'est genre sympa. Très posé. Ouais, ça, j'aime beaucoup aussi pour ça. Ouais. C'est vrai que. J'aime bien quand c'est calme, moi je suis assez calme aussi je pense, mais par exemple je testais de regarder une ou deux vidéos d'échecs et je voyais Blitzstream qui bah voilà c'est le plus répandu sur YouTube j'ai l'impression Blitzstream et il commence toutes ses vidéos en criant yo, mais il crie en fait au début pour bah voilà c'est sa marque de fabrique mais moi je peux pas, c'est pas possible. Il est même pas breton Telegraph Go. Bref, il a du sang anglais, donc c'est pratiquement breton, ça. Ah merde, il s'auto-suicide. Ah, dur. Le nul. Hop. Ouais. Et ici, ouais, c'est la débandade. Hein. Bon, avec ces séquences, en fait, je visais vraiment le B17 pour attaquer, mais ça n'a pas marché. Ici, tu peux faire ça. C'est pas mal, je trouve. J'ai pas de bonne réponse. Tu pourrais chanter le renard à la belette en intro. Non. Si je peux couper, je coupe. Oui. Quand on peut faire atterrir de côté, mieux vaut s'abstenir, on dit. Ici, j'ai cru que t'allais défendre la pierre. Ben c'est pas bon. Et quand je prends, je pensais que t'allais reprendre le coin. Il est vivant. Tout simplement. Mais ouais, ça a vraiment été compliqué. Là, tu m'as attaqué dans tous les sens. Et là, j'essaye de faire des trucs qui marchent pas, hein, mais... Bah, il faut bien tenter quoi. Ici, là, je me suis dit, ah, tiens, je peux capturer. Bon, vas-y, on tente. Hein. Mais en vrai, ici, tu peux forcer la séquence où je pourrais pas capturer. Tu descends. Et effectivement, je fais la tarie. Ensuite, je dois venir reprendre. Et maintenant, tu peux sortir, je crois. J'aurais pas assez de liberté. Donc, oui, tu pouvais encore plus me défoncer. Ouais, là, y a rien qui marche pour moi. Je peux pas reprendre quoi? Ah oui, je peux même pas reprendre, ouais. Pardon. Non, je disais, oui, je pensais à ça, pardon. Tac.
Là, je suis obligé de pousser plusieurs fois. Et voilà, quoi, c'est... Et après, tu peux sortir. Oui, non, mais... Oui, bref. Et voilà, ça. Voilà, et là, on pourra faire. Effectivement, ça donne des points par ici. Par contre, tu prends tout ça. C'est plutôt cool. Je vote pour un John Canuck. Je connais pas. J'irai voir ça après. Ça me fait un peu peur. Et ici, là, c'est une grosse bêtise hein, de faire ça. Hein. Là, c'est dommage parce que... En fait, mon dernier espoir dans cette partie, c'est vraiment d'attaquer toutes ces pierres, même si, bon... Avec ça et ça, ça va être... C'est même pas solide, donc c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, ça, c'est pas solide non plus. Ouais, non. C'est pour ça que j'ai abandonné. Je me suis dit, bah, c'est fini, en fait. Ambitieux. Très ambitieux. Très ambitieux. Tu vas prendre peur à ce moment-là. Ouais, je sais pas ce qui m'a manqué dans cette partie, du coup. J'arrive pas à dire, parce que... J'ai l'impression qu'il y a des séquences, ça va, mais... Je sais pas. Dès le début, en fait, avec l'erreur de faire G17 et ensuite surréagir en attaquant pour 1, moi, je me suis créé un groupe faible et toute la partie, ça m'a... C'est passé d'un groupe faible à l'autre, etc. Et blanc, comme il a 3 coins, il est tranquille. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Quand je joue ça, je me dis, bah, je vais pas approcher de Chimari, parce que là, clairement, tu fais ça. Tu prends mon extension, et tu prends le coin. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de lui laisser 4 coins? C'est chaud, quand même. La coupe que t'as pas vue aussi, ouais. Oui, le fait de streamer ça, pas, mais bon. Il est solide, le gabouche, ouais, il est solide. Il est solide. 3 dan, là, hein. Dan, il devra me mettre 2 pierres la prochaine fois. Mais ouais. En même temps, je pouvais garder un coin de plus. Hein, déjà, à la place de jouer F3, de jouer tout simplement le F2, pardon. Oups. Et quand tu m'as joué après, quand t'es revenu dans la séquence... C'est quand? C'est assez tôt, finalement. Ouais. Quand tu reviens ici... Et que tu coupes, en soi, je peux venir là, hein, mais... Pff. Là, il y a 2 séquences, je disais. Soit tu viens ici, je prends... Et t'es assez content de monter. Soit... tu sors. Je pense que toi, t'aimerais bien sortir. Après, c'est peut-être un petit peu risqué avec les... T'as seulement 4 libertés sur ça. Moi, je fais courir un peu ce groupe. C'est peut-être un peu risqué. Je sais pas comment ça se joue, mais... C'est un peu risqué. Je joue trop peu pour que le 3 dan soit réel. Ouais, mais tu le gardes, c'est bien. Ouais, ça c'est bon pour moi. Ouais. Blitzheim, t'as été voir, ouais. C'est pour ça qu'on joue. On joue pas F3 normalement. Là c'était bon pour. Ouais, mais je l'avais le chichot à ce moment-là. Ici j'ai le chichot. Je l'ai eu sans jouer, ok d'accord. Là j'ai le chichot donc ça se joue non? Et même s'il fait ça là j'ai toujours. Blanc joue pas F3 s'il a pas le chichot. Et F3 c'est ça? Trompe de coordonnées, je crois. F2 E3. Ouais. Ouais, mais j'ai mal répondu. Changer. Ouais, ici, je dois défendre, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Mais oui, en fait, non. Je défends. Ouais, c'est catastrophique pour blanc, en fait, ça. Et en même temps, il faut bien faire huiler les pierres. Sinon, ça sert à quoi. Si blanc change d'avis et se dit, mince, c'était une bêtise. Il fait quoi? Il revient là? Mais en vrai, pff, même s'il vient ici, il y a des faiblesses par là, c'est douloureux en fait, ça va être chiant. Même non, d'abord on défend par là. Mais il va... Même si on fait un mur, il faut protéger cette faiblesse à un moment. C'est trop douloureux. Sauf qu'on vient par là, et finalement, ce mur blanc, il fait pas grand chose. Et noir, il prend pas mal de points.
Le coin noir est difficilement tuable en plus. Ouais, il faudrait beaucoup de coups. Imaginons, bon, c'est pas trop ce qui se passe de côté. Allez, je suis obligé de faire ça d'ailleurs. Bon, imaginons, il y a toute la séquence ici. On va dire là, si, tac, tac. Là, bleu, noir, blanc est vivant là. Blanc descend là. Il n'y a pas grand chose ici, je crois. Si. Si, c'est mort là. Jamais j'aurais joué ça. Non, oui, mais c'est si tu veux sauver les pierres. C'est. Alors. E1 pour tuer. Ouais, mais même ça, ça tue, non? Ah non, je réponds ça. Si, c'est mort. C'est mort, hein. Même avec A3. Donc en fait, c'est facilement tuable. Non, on fait ça. Si, c'est mort. Alors? C'est facilement tuable, finalement. Juste la descente, ça, Gary. Tac. À moins qu'il y ait des coups par là. Non. Mais ces gros œils blancs a pas le temps. Je comprends pas. Pas sur cette séquence quand on parlait de tuer le donc noir peut pas jouer cette séquence en fait. Je peux pas jouer cette séquence parce que je risque de mourir dans le coin. Rien qu'avec ça, c'est mort en fait. Oui, mais en fait, quand je joue. Imaginons je mets la pression sur ces pierres là. Tac. Si je joue maintenant. Ouais, et en même temps blanc. Si blanc il sort ici maintenant. Il y a quand même coup blanc, hein. C'est comme douloureux. Ouais, c'est douloureux en fait. C'est le bordel. Ah si, ouais. Ici en fait c'est il y a le temps. Et blanc vient protéger. Et noir continue. Ok. Elle a blanc et vivant. Noir elle time je pense, il pousse. Il continue à pousser juste que blanc année soit pas trop puissant. Ok, donc genre là, tac. Il faut d'abord que je retire l'autre séquence. Tac. Noir continue. Tac. Là, ça serait trop puissant. Année à la tête de pierre. Tête 3 pierres trop puissant. Mais là, par exemple. Peut-être qu'on peut le jouer là. Parce que même s'il y a double année. On fera peut-être pas la taille alors. Assez douloureux. C'est quand même assez douloureux. Hein. Ah, je pense qu'en fait j'ai envie de le jouer direct presque. Si on vient ici, je viens là direct. Si blanc vient là, on vient ici en fait. Et blanc est mort. Non? Peut-être pas. J'essaie de trouver une bonne séquence, mais. Petit blanc revient ici. Je sais pas. En fait, blanc va souffrir de ce côté maintenant, du coup. Je sais pas. C'est dur à dire. Hein.
C'est dur à dire. Parce que si ça, ça se joue pas, c'est qu'il y a bien des punitions, en fait. Mais peut-être qu'à la place de F4... Peut-être que je dois faire ça. Peut-être que c'est plus efficace. Ça s'installe déjà sur ce bord, ça menace de jouer... Si blanc joue par là, nous on peut venir par là. Et si blanc étant, imaginons, noir il peut venir par là et ça développe quand même quelque chose d'intéressant. C'est peut-être plus sympa, tout simplement, d'aller en G2. Ça semble sympathique quand même. Une forme solide, quoi. Protège de la coupe. Si blanc avance, il y a le hané. Ou alors, comme blanc n'a rien répondu, on peut faire ça. Mais blanc peut pousser ici. Après, on peut faire hané, double hané. J'ai l'impression que ça marche. Parce que il n'y a rien ici. Y a rien du tout. Ouais, ça, ça a l'air sympathique par contre. Peut-être que j'aurais dû faire ça. J'y penserai les prochaines fois. Si jamais, bon, ça arrive pas non plus souvent, mais bon. Cette forme-là. Qui d'ailleurs est la forme qui se joue quand... maintenant, il y a les pinces comme ça, tac. Et que l'adversaire nous fait ça. Maintenant, on ne fait plus ce coup. Et on fait ça. Et ça se passe comme ça. Ouais, donc c'est sûrement ça. C'est sûrement le B3, plutôt. Ok. Je pense que c'est ça. En plus, si blanc veut se développer, à tout moment, il y aura ça. Donc c'est plutôt efficace, je trouve. Ça enlève pas le F4, potentiellement. Il y a plus ce coup de descente de blanc qui peut tuer le coin, possiblement, après la coupe. Donc non, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Merci pour la partie, Gabouche. Et je vous dis bonne fin de... bonne fin d'année à tous. Bonnes vacances. Bonne fête. Et à l'année prochaine. On reprendra... On arrête les mardis, du coup, comme je disais. Et on fera les lundis et les jeudis soirs. Tout simplement.